évitera que tu me roules dessus. Est-ce que je me mets? Est-ce que je vais me mettre? Ah, je suis pas bien. Moi, t'as roulé dessus? Ah. Pas de bol. J'ai tout mis. Celle de une deuxième. Oui. Parce que je suis parti, hein. J'ai rien vu. Bon, déjà, je vais t'en fumer un peu. Ça, tu verras plus rien, que du feu. Je te regardais. Ah purée. Je récupère juste ma bague bleue là. Je crois qu'on va faire une troisième. T'as vu comme ça chauffe dès que t'es dans le rayon de soleil? Ouais. Pauvre petit moteur lipo. En fait, ça glisse bien. Ouais, ça va, je crois pas que tu m'en fais. C'est toi qui es venu, hein? Ouais, comme ça glisse, c'est fou. Ouais, c'est du drift. Avec le X-Max, c'est vraiment du drift. Oups. Ah mais du coup, t'es bien maniable, toi. Bien souple. Ah, attends. Vas-y. Yes. Ah, j'ai mon slipper qui patine, je peux pas. C'est plus décroché. J'ai l'impression d'être suivi. Reste là. Si au moment où tu sautes, je monte. Je voulais la faire comme ça. En fait, je glisse très fort. Oui, plus avec le X-Max qu'avec le. Ouais, ouais. C'est agréable du coup parce que tu peux vraiment regarder le cul. Faut pas lâcher les gars, c'est vrai. Peut-être un contrôle permanent. Dandine. Pardon. Ça passe. N'importe quoi, on marche arrière. Toi. T'as mis ta carreau à l'envers ou tu roules vraiment en arrière? C'est Starsky. Le milieu c'est sympa parce que ouais. Tu gardes le contact, c'est soit avec la caméra. J'aime bien ça aussi. Merci.
la petite touche qu'il fallait. Imagine la frustration sur la moquette. C'est clair. Mais Greg, il avait raison, tonton Arnaud. C'est de mettre du sable sur la moquette. Ça, ça fait comme sur l'aire de jeu où je patine à mort là, quand je fais les essais des petits. Prends le flippette. Hein. Ah, ça c'est Kouvache. Ah. Normalement. Ouais. Oh, la bûche qui t'a emmené. C'est con. C'est pas mignon, on peut revenir. Est-ce que je fasse les soudures là, des plesquédiques, des expèdes? Ouais. Et on a plusieurs caméras. Parce que là, sur les drifts, quand on se suit là, ça peut être sympa aussi. Ouais, ouais. Je suis passé. Là aussi, il y a une ligne droite en fait. Là. Ouais. Ouais. Oui. Et elle va jusque. Tu peux remonter là-bas en fait. Tu arrives, tu vois la pente là-bas qui descend là. Jusque là-bas. Là-bas jusque là-bas. Voilà, regarde, voilà. C'est pas évident que le réveau parce qu'il est plus petit. Il va moins vite. Là, regarde, tu vois. Ouais, tu arrives, tu débouches. Après, tu peux remonter là. Et t'arrives à la voiture. Ouais, non. Après, nous, ce qu'on fait, là, après, c'est demi-tour. Là-bas. Ouais, bah oui. Parce que faut pas pousser. Selon où t'es placé. Mais après, c'est rigolo parce que c'est assez étroit. Et quand tu te suis à 2-3 là. Et mine de rien, elle est longue la ligne droite. Hein. Tu vois, regarde. C'est une sacrée ligne droite en fait. Regarde. Tu vois. Si on débouche sur la route. Hein. Mais, après, quand tu l'as fait, le mieux c'est d'être là-bas quoi. Quand t'es à plusieurs là et que tu arrives à fond dans le bordel là. Bon, je passe le circuit moquette, je vais emmener celle-là. Je vais emmener celui-là. Je suis sûr que je vais m'éclater. Bon, le circuit il est sinueux et que tu n'arrives pas vraiment à placer la puissance. Vas-y, je te suis. Je suis parfait. Celui-là, quand, on, exprès, quand on l'a dans la ligne de mire, on va passer à côté. Terrible, j'ai acquis un paquet de matériel. Ah, il y en a beaucoup qui ont cassé dessus. Ah. Ouais, pareil, c'est un des arbres où tu arrives ici, on contre le braquage, la roue est ouverte. Ouais. Et ça, ça t'écarte la jambe du. Un peu dur comme ça. T'aurais pu mettre un coup de volant et un coup de gaz quand même. Non, là c'est trop tard. Tu sais, quand je t'ai poussé, t'aurais braqué vers la pente et ça t'aurait. Ça se veut dire. Ouais, oui, mais je n'ai voilà, pas. Là, j'ai le slipper qui est trop faible pour toi. Je ne l'ai pas senti. T'as raison, hein, faut être tranquille. Que je trouve gavant, quoi. Je vais passer. Passer. On dirait.
Eh ouais, hey. Là, sur les roues. Ah ben, je pense bien. J'étais à peu près dans cette direction-là. Je sais pas où je suis là. Donc, vas-y. Tirez-vous au charbon. C'est passé. J'aime bien la touchette sur l'arbre. J'avais une branche, non? Ouais, moi j'étais de l'autre côté là. J'ai trop fait un effort violent quand t'as traversé. T'es arrivé comme une crème sur l'arbre, t'as roulé dedans et t'as frappé. Je suis d'accord que c'était sympa pour la transmission, mais c'était pas très beau. C'est moins dur que le châssis, il absorbe un peu. Oh. C'est parce que je suis pas bien aligné en fait. C'est parce que là, je suis pas bien aligné. Ça va nous faire des sacrés ralentis quand même. Ouais. Allez, ouais, ouais. Hey, caramba. Ça, c'était une leçon de crawler. En fait, je touche chaque fois à gauche. Ouais, mais la gauche, c'est ça. Je suis passé. Il y a un cheval qui a la poussée un peu concave. Ouais. Faut arriver un petit peu au virage. Là. Ouais, un petit peu sur la droite. Touché, ouais. Toi aussi, hein, t'es sur les roues. Je crois. T'es arrivé. Ouais, ouais. Tu y es ? Ouais, mais je sais pas où. Ah, je suis là-bas derrière. Ah, mais ça... la poussière. Ouais, mais ça compte. Ah, je reviens. Ouais. Toi, Rio. Je l'ai fait en timide, vous savez. Faire un transfert. Merci. Une fois que tu connais le terrain, il y a plein de petits endroits sympas comme ça. Tu peux utiliser, il y a certains arbres en fait, ils ont un angle par rapport à la pente. C'est pareil, tu peux choper le tronc et utiliser le tronc. Si tu vises avec la roue dessus, tu montes sur le tronc, tu peux faire une brille, tu retombes sur les roues. Ça, t'as aussi une petite araignée, bouge pas. C'est quand même excellent full power, quand tu mets full power. Ouais. C'est ça qui... C'est un moteur qui gueule. On a bien parlé. Il va se prendre dans la roue quand tu vas accélérer. Attends, hein. Ouais. Ok. Je te voyais bien que tu me catapultes en fait. Là,
Ah, la petite bosse, si la chauffe bien, celle-là, regarde. Regarde celle-là. Ouais. Non, celle-là. Ouais, ouais, ouais. Là, regarde pas celle-là. Vas-y, tout à l'heure. Sort bien, hein. 3 bacs, ouais. Hein. Ça fait un paquet de carton, tu vois. C'est juste le fait que tu n'aies pas assez de puissance à bord, ça fait que tu défonces pas. C'est pas mal. Les batteries sont froides.